11 jeunes du collège d'Albret de Dax se sont vus remettre un diplôme bien particulier. Ils ont été faits cadets de la sécurité civile. C'est la première promotion dans le département des Landes. Les cadets de la sécurité civile, c'est un dispositif né en 2004 et renforcé en 2015 suite aux attentats. Le ministère de l'Intérieur et l'Éducation nationale sont main dans la main pour former des jeunes aux premiers gestes et les sensibiliser à la citoyenneté. Objectif de transmettre des valeurs citoyennes à ces élèves, les former à la prévention des risques, les former également au risque incendie au travers de séances théoriques et pratiques. Donc une quinzaine de séances ont été assurées de janvier à ce jour hors temps scolaire, il faut le savoir, hors temps scolaire. Et hors vacances scolaires. Objectif donc, former ces jeunes à la sécurité incendie, à la prévention des risques, mais également les enseigner au niveau du secourisme, et notamment en réalisant et en passant le PC1, qui est le diplôme prévention civique niveau 1. De quoi susciter aussi des vocations par la découverte des métiers de la sécurité. Peut-être de futurs pompiers professionnels ou volontaires, ou en tout cas de quoi toucher dès le plus jeune âge un maximum de la population. L'objectif premier, c'est effectivement avoir une meilleure culture du risque et de la sécurité. Et donc apprendre à la plus vaste population possible les bons gestes pour venir sauver quelqu'un suite à un malaise, suite à un accident, suite à un incendie, faire les premiers gestes de secours, mettre quelqu'un en position de sécurité, faire les premiers gestes de réanimation ou savoir poser un garrot, c'est véritablement ça la priorité. Des élèves référents dans leur propre établissement en cas d'incendie par exemple. Nous on a appris à combattre les feux naissants. Donc dans ce cas-là, s'il y a un incendie très très gros, on va devoir appeler les pompiers. Il n'y a pas longtemps, on a fait une simulation, comme on l'a vu dans le diaporama de tout à l'heure. Et on a dû faire évacuer tous les élèves et les garder loin de la fumée pendant que les pompiers arrivaient. Une formation qui apporte bien plus que de simples connaissances, puisqu'elle développe chez ses collégiens d'autres capacités, à l'image de Marie-Gabrielle et Coralie. Des fois, on n'a pas confiance en nous, donc des fois, ça peut prouver par rapport aux moqueries que on n'est pas forcément ce que les autres croient. Moi, ça me soulage parce que je pense l'avoir mérité, parce que j'ai été au-dessus de mes capacités. J'ai montré que parfois je suis très peureux, mais non, là en fait ça me surprend parce que j'étais étonnée que moi je reçois le diplôme alors que des fois je suis pas tellement sûre de moi et voilà. Moi j'avais envie presque de dire de pareil, mais aussi parce que j'avais perdu confiance en moi, mais avec ça on peut dire que je l'ai retrouvé. C'est vraiment un truc de... Je le conseille de faire parce que c'est vraiment vraiment très bien. Le département souhaite d'ores et déjà multiplier les cadets de la sécurité dans les Landes et former davantage de classes à la rentrée septembre.